Tous annulent, tous dans le nom de Jésus. Donc la reine a parlé parce qu'elles sont très détails. Et je vais ajouter également avec les détails. Enfin, je vais être en gros, mais je vais continuer. Lorsque nous devions nous marier, c'était avec la foi. Et nous disons que nous avons un témoignage parce que, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas les choses avec la foi. Donc quand tu finis le mariage, Dieu est fâché au lieu d'être glorifié. Nous n'avions rien. Mon père spirituel est là, le pasteur Seka. Il se souvient très bien de comment est-ce qu'on a fait. Il y a un témoignage que je cherche depuis là, je ne vois pas. Un témoignage quelque part. Quand nous sommes rentrés dans le foyer, pour revenir après, notre premier meuble, c'était 3 tabourets. Il y a un qui est encore survivant avec les... C'est cassé, cassé. C'est ce que nous avons payé le lendemain de notre mariage. Et on se regardait, on était assis fièrement sur nos tabourets. Heureux d'être sur ce tabouret. Et puis heureux d'être marié. Ah, vous avez retrouvé? D'accord. Voilà. Voici le tabouret. Oui, c'est là. C'est le tabouret. Voilà. Est-ce que ça tient? Bon, 10 ans après le tabouret tient. Dans notre foyer tient encore après les 10 ans. Voilà. Alléluia. Donc, vous dites à la jeunesse aussi que, comme quelqu'un a dit, et j'ai entendu, un doyen a dit, il dit, il croit qu'on peut partir de rien du tout et devenir grand. Mais en même temps, il croit aussi qu'on peut partir avec tout et puis terminer rien. Donc, s'il était à choisir, qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, je préfère continuer, commencer avec rien et puis terminer. Que commencer avec le superflu, avec les artifices, et puis terminer avec la réalité. Donc, nous sommes rentrés difficilement. Mais au fond de nous, nous étions très heureux. Parce que quand nous étions arrivés dans la période où nous devions nous marier, j'ai dit à ma fiancée, parce qu'on a fait 2 ans, j'ai dit à ma fiancée, je préfère qu'on dise qu'à son mariage, il n'y a pas eu voiture, il n'y a pas eu gâteau, il n'y a pas eu quoi encore. Donc, au pire des cas, tu te couilles une chemise, une belle robe. Moi, je porte chemise avec cravate, parce que là, on en a. Tout qui était à chemise avec cravate, je me fous et puis on va à la mairie. Bon, nous avons accepté ça. Et c'est là, nous nous sommes engagés avec le peu de moyens. Et le mariage était un miracle. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûtait. Parce que l'église que nous appartenions a été vraiment formidable. Pasteur, est-ce que tu as choisi du dimanche? Il dit, il n'y a pas de nom. Il dit, bon, voilà. Pasteur, est-ce qu'il a habillé le dimanche? Il dit, il n'y a pas de nom. Il dit, voilà. Et le gâteau? J'ai dit, il n'y a pas de nom. Donc la question c'est quoi? Tu comptais sur quoi pour te marier? Je comptais sur Dieu. Alléluia! Bien aimé, nous avons un témoignage. Nous avons un témoignage pour ceux qui vont se marier. Parce que les doyens, ils ont fait leur traversée. Mais vous qui voulez vous marier, cette partie, je pense, ça peut vous concerner. On se marie pas parce qu'il y a l'argent. On se marie parce que Dieu le dit et par conviction. Et quand nous sommes rentrés dans le foyer, bien aimé, nous avons fait des expériences. C'était difficile. C'est là que j'ai compris ce verset qui dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair là. Ça ne veut pas dire que quand on met bague là, vous êtes une même chose, hein? On dit qu'ils deviendront. Donc il y a un processus. Madame Gisèle là-bas, quand on met une baka, c'est que maman veut les punir. Moi, on m'a élevé à un baka. Donc quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, le jour qu'il n'y a pas l'argent un peu difficile, j'ai dit, bon, tu fais baka. Elle dit, moi, manger baka. C'est après que j'ai compris que baka, c'était une correction à la maison. Oh, chez nous, le vieux, ça a éduqué à un baka. Il se lève tôt le matin, il fait baka. Même si je suis parti, on garde mon baka, j'ai mangé la nuit. Elle dit, elle ne pas banane mûre, agressive. Moi aussi, je n'ai pas mangé aussi banane non mûre aussi. J'ai dit, moi, je ne mange pas riz. Elle dit, moi aussi, je ne vais pas diba aussi. Je ne vais pas piler. Donc, c'est tout ça là, son palabre. Et je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Seka. Il va tout à l'heure nous exhorter. Il y a des choses qu'il a dit. Plusieurs fois, on a rangé bagage. C'est les femmes qui arrangent du bagage. Nous, les hommes, on n'a pas bagage à arranger. Plusieurs fois, ils ont arrangé bagage. J'appelle le vieux.
Il dit, mon petit, faut sauver ton foyer. Donc, il fallait qu'on étudie des astuces. On revenait, dit non, c'est vrai. Bien aimé, se mettre en genou. Hein? Les doigts savent de quoi je parle. Tu te mets en genou, malgré que tu as raison, dans la chambre. C'est pas au dehors, dans la chambre. Devant la petite fille là. Tu sais que toutes tes soeurs sont plus âgées qu'elles, mais tu te mets en genou, tu deviens tout petit pour régler l'affaire de foyer. Nous avons un témoignage. Il n'y a pas de foyer parfait. Papa Seka nous disait que si tu trouves un foyer où il n'y a pas de problème, quelqu'un lui a dit ça, mais il nous a dit, allez-y prendre son médicament, et puis moi je vais aller soigner mes gars qui ont des foyers à un problème. Parce qu'il n'existe aucun foyer où il n'y a pas de problème. Bien aimé, on va avoir également la pression des parents. Les parents vont dire les mots. Chacun a été éduqué à sa manière. Moi, j'ai dit mes parents m'ont bien éduqué. Elle aussi, ses parents l'ont bien éduqué. Maintenant, c'est l'éducation de qui on va prendre. Parce que quand elle commence, il a dit ça là. Moi aussi, c'est pas comme ça on fait chez nous. Elle dit, nous, c'est comme ça on fait chez nous. Les deux deviendront une seule chair. Et bien aimé, jeune. Le conseil qu'on va vous donner encore à partir de là, j'insiste, ne portez pas de masque pour vous marier. Ce que vous n'êtes pas là, ne dites pas à la fille que vous êtes ou bien au frère que vous êtes. Tu es colorique. Maintenant, tu caches ça. Et ainsi, tu ris. Parce que tu la veux. Elle te parle mal, tu ne réponds pas. Donc tu donnes une mauvaise habitude à la fille ou bien au frère. Mais quand tu rentres, il a payé d'autres. Le premier kata. Tu dis non, je ne savais pas que tu étais comme ça. Et cette phrase-là, quand ça sort dans un foyer, c'est que ce foyer est en difficulté. Je ne savais pas que tu étais comme ça, tu m'as trompé. Bien aimé, nous avons un témoignage. C'était difficile. Mais notre secret est que chaque fois, on se référait à nos parents spirituels. Il y a des gens qui ont verrouillé le foyer. Ils ont dit à la femme, si mon affaire de foyer sort, toi et moi, on se laisse. Madame aussi, comme elle voulait se marier, elle a accepté. J'insiste. Nous, quand nous sommes mariés, j'ai dit à ma fiancée, ma femme, chérie, regarde-moi. S'il y a quelque chose entre toi et moi, là, tu as raison, moi j'ai raison. Donc, va dire au pasteur, ou bien va dire à notre témoin. Lui, j'ai du respect pour lui. Au moins, quand il sera au milieu, il va trancher là. On saura qui a vraiment raison. C'est ce qui a sauvé notre foyer. Parce que quand ils sont partis, lui, il est au milieu. Est-ce que le pasteur a gagné ou bien a perdu? Non, je suis content. Donc, quand il va dire la vérité, je suis obligé de me prier. Elle a aussi obligé de se prier. Nos conseillers étaient des chrétiens. Je n'ai jamais eu de conseiller païen. C'est ce qui a fait que notre foyer a pu sortir. Il fallait qu'on réglemente les choses. Les enfants spirituels qui t'appellent à 23h, à minuit. Ah, c'était difficile. Qui vient de t'appeler? Qui vient de t'appeler? Il dit, c'est un enfant spirituel. Elle dit, ça, je ne peux pas accepter ça. Il y a quoi? Bon, en fait, c'est la vie de célibataire là qui n'est pas encore désactivée. Donc, ça y est encore là, il fallait dire aux filles spirituelles là, c'est bon. Maman n'aime pas ça. Et puis moi-même, j'aime plus ça. Donc, c'est là, ça nous a aidé. Bien aimé, nous avons un témoignage. Le Dieu qui nous a unis, il nous a aidés jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore arrivés. 10 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais personnellement, ces 10 ans-là nous tiennent vraiment à cœur. Il faut qu'on fasse cette pause pour dire merci à Dieu. Ça brûlait en nous si on ne disait pas merci à Dieu. Ce n'est pas une cérémonie pour voir le pasteur Serge et sa femme. C'est des choses que je n'ai jamais faites dans ma vie. Ça là, je n'ai jamais mis ça dans ma vie. Et puis quoi encore? Tout ça là, je n'ai jamais mis. Ça là, c'est la première que je viens sur ma quête. Voilà, donc je suis villageois quoi. Mais on veut dire à Dieu qu'il a été bon envers nous. Et s'il a été bon envers nous, il peut être assez bon envers vous. Au foyer qu'il y a des difficultés, tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Donc ce que tu as, lui au moins tu le connais.
dit aujourd'hui, c'est ma femme qui l'a fait. Elle m'a rendu simple, comment on dit ça? Esthétique ou bien elle m'a rendu sophistiqué bien. Sinon, c'est pas comme ça que j'étais. Donc si tu veux, ta femme peut te rendre comme ça. Mais ton côté baoulé, il faut diminuer un peu. Ton côté abel, il faut diminuer. Ok, il faut laisser. Tous deux, ils deviendront une seule chair. Je ne vais pas être long. Voici un peu ce petit parcours que nous avions eu. Et si nous avons pu réussir à faire 10 ans, mais parce que ce qu'elle nous disait quand on avait nos soucis, il nous disait que les 5 premières années dans un foyer, dans un couple, c'est la plus difficile. Si vous traversez les 5 années, vous allez réussir. Donc ceux qui veulent se marier, mais qui sont mariés, qui ont déjà commencé les premiers bruits de 2 ans, 3 ans là, résistez. Après 5 ans là, je vous assure, quand on commence les choses à dire, je sais où tu veux en venir. Je sais où tu veux en venir. Et puis je sors. Maintenant, quand moi je commence moi, elle dit, je ne tomberai pas dans ton piège. Je ne tomberai pas dans ton piège. Ça là, je te vois, mais je ne suis pas dedans. Donc maintenant, c'est comme ça. Et puis on ne reste plus par là. On s'assoit. Et pendant que non, on ne fait plus ça. Nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Si tu as fait que ce n'est pas bon, on ne s'assoit plus réglé à faire. Quand on se regarde, chacun sait. Et cette femme l'a demandé pardon. Non, elle ne demande pas pardon. C'est ça. Elle ne demande pas. Moi, je me suis demandé comment elle est. Mais quand j'ai compris, une fille qui a pu se garder jusqu'à se marier vierge, c'est quel caractère elle avait pour résister. Quand j'ai compris ça, j'ai regardé toute sa colère là comme de l'amour, comme de la beauté pour agrémenter le mariage, chic, chic, chic. Donc, Église, nous voulons vraiment que vous associez à nous. Les moyens ne sont pas, mais pour dire merci à Dieu. Nous voulons sincèrement dire merci à Dieu. Et comme j'insiste, ce n'est pas pour se faire voir. C'est pour être reconnaissant envers Dieu. Ça a brûlé en nous de faire une pause et de dire merci à Dieu. Et nous pensons que nous l'avons réussi. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Merci aux bien-aimés. Merci aux jeunes mariés. Merci à ceux qui veulent se marier. Merci aux doyens. Que Dieu vous bénisse.